Dimanche 5 novembre, TF1 a lancé la 11e saison de la Star Academy. Interrogée par Le Parisien, Olivia Ruiz, candidate emblématique de la première saison, a expliqué les raisons de son absence lors du prime d'ouverture. La 11e saison de la Star Academy est lancée. Dimanche 5 novembre, les téléspectateurs ont découvert le profil des 13 nouveaux élèves, Lola, Djibril, Clara, Lenny, Louis, Candice, Pierre, Elena, Margot, Victorien, Julien et Marie-Maude. Lors de ce premier prime qui a réuni 3,76 millions de téléspectateurs en moyenne, les nouveaux professeurs ont également fait leur premier pas. Personnages emblématiques de la précédente édition, Laure Ballon et Yanis Marshall n'ont pas été reconduits. Pour les remplacer, la production a misé sur Cécile Chaduteau pour l'expression scénique, et Malika Benjelloun pour la danse. La première a notamment été une danseuse de Kamel Wally lors des premières saisons de la Star Academy, et choriste pour Johnny Hallyday et France Gall. La seconde a quant à elle formé Mehdi Kerkouche, danseur de Katy Perry et chorégraphe de Madonna. Olivia Ruiz s'absente lors du prime de lancement à l'occasion de la sortie de son nouveau single baptisé La République. Olivia Ruiz a accordé, dimanche 5 novembre, un grand entretien aux Parisiens. La chanteuse, connue notamment pour avoir participé à la première saison de la Star Academy, a expliqué les raisons de son absence lors des primes depuis le retour du programme. L'émission est revenue avec succès l'an passé et redémarre ce samedi. Vous avez suivi ? A demandé le journal. Pas du tout, a affirmé la chanteuse. J'ai les comptes rendus de ma mère, qui est très télé. Ils ne m'ont pas sollicité. J'espère qu'ils prennent davantage soin des candidats, notamment après l'émission. Moi, je faisais la tournée parce que je faisais partie des derniers finalistes, mais les autres, c'était débrouillez-vous, a-t-elle expliqué. En revanche, j'ai adoré Nouvelle École sur Netflix. Comme il y a un travail d'écriture et de composition, ça m'a chopé tout de suite et je les ai trouvés puissants, les gamins, a ajouté Olivia Ruiz. Voilà qui est dit.